You are dawdling, Amicia. How will you be able to follow the lords at hunt? Is that your only ambition for me? To follow? I will beat them, and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that, I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? The apple tree, father. I want to take the knight's... challenge once more. L'épreuve de... Mais tu n'as plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraînée dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Regardez, Lion. Le fauve de Guyenne est pressé d'en découdre. Ton fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Tu es dur. Vas-y, mon chien, tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Tiens, le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun a ses obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille... Hé ! J'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de runes ! Allez, vas-y ! Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais... chacun ses obligations. Je dois m'occuper de ses terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi... Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute... c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi ? Hé ! Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. Allez. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve ? Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier ? Quels sont les termes de l'épreuve ? Les pommes sacrées de l'arbre... sacré ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prêt. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien, reviens.
Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ma fille. 6, 7, 8. Et c'est ainsi qu'Amicia devient chevaleresse. 9. Et voilà. 10. Eh bien, je suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez? Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il a dû flairer un lapin. Venez, vite! Par devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Lion! Attends-moi! Lion! Un chien de chasse n'est pas censé semer son maître. Lion! Mais où il est? Ah, oh, tu es là. Qu'est-ce que tu as senti? Oh là là, un sanglier! Bravo, mon chien. Amicia, il a trouvé quelque chose? Chut! Venez voir, un sanglier! C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Ses herbes te cacheront si tu restes baissé. Il boit. C'est le moment. Oh non, il m'a vu. Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Doucement, c'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise les hautes herbes. Reste baissé. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non! Allez, lion! Ne le lâche pas! Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois! Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, lion! J'arrive, lion! Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi! Oh non, je vais m'enfoncer là-dedans. Le sanglier, il perd du sang. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Oh, des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. Les arbres, qu'est-ce qui s'est passé ici? Lion! Reviens! Mais... c'est le sanglier? Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Lion! Viens, mon chien! Lion! Lion! Je suis là! J'arrive!
Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... en train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. T'en es où des rivets pour renforcer la porte? J'ai pas pu les faire encore. T'es au courant que les troupes anglaises arrivent? Ah. Bonjour, mademoiselle Amicia. Va falloir patienter pour les nouveaux rivets. Au fait, des nouvelles du bourg? Oh, les gens sont mademoiselle nerveux. Amicia, avez-vous pu... Plus tard, Flore. Des Anglais. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Oui, je leur dirai. Alia Horatio Sancti Sebastiani, préserve-nous du mal, accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Ça va pas durer, ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. On a de la chance d'être dans cette maison. T'es pas d'accord? T'as bien raison. Ah, Gabriel. Mère est encore à l'étage? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. Tu as entendu ce qui s'est passé au village? Tu sais, les gens qui ont été mordus, il y a des enfants aussi, t'imagines? À chaque fois, c'est arrivé la nuit. La famine, les Anglais à nos portes, et maintenant des vampires. Oh, nous avons beaucoup péché pour être ainsi punis. De la cannelle. L'odeur de tes plats me réchauffe le cœur. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais je pense que vous allez aimer. J'en suis certaine, oui. Oh, mademoiselle Amicia, bonjour. Je ne vous avais pas vue. Oui, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Louise, tu viens de voir ma mère? Tout juste. Vous voulez la voir? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir si vous voulez. Ah, merci. C'est le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Oh, de rien, ma douce. Faites-y attention. Mère? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai! Lyon était là, par terre, puis il a été... Chut! Tu vas rester ici avec ton frère. Hein? Pourquoi? Que se passe-t-il? Ferme la porte derrière moi.
et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Toutes ces potions. Mère, est-ce que vous le guérirez un jour? Ça fait combien de temps qu'il est ici? 4 ans? 5 ans? Où est-il? Hugo? C'est moi. Ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance. Il a parlé. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué 2 de nos hommes. Où est-il? Pour la dernière fois, où est votre fils? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est maman? Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Où est-ce qu'ils l'ont planqué? Maintenant. Chut. Où est maman? Chut. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Hé, toi! Viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où, le gamin, hein? Laissez-le en paix. Ferme-la. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant. Vous avez perdu la... Oh, Gabriel, voilà. Amicia... Vous auriez dû nous livrer l'enfant. C'était pourtant simple. Oh non, Léa. De grâce, je ne sais pas... Ça t'apprendra. Non, je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. Répète-moi. Il va. Alors dis-moi, où est Hugo de Rune? Non. Amicia, qu'est-ce qui se passe? Maman, il faut trouver maman. Elle saura quoi faire. Oh mon Dieu, Louise! Hé, hey, toi, ça t'amuse de me faire courir, hein? Vous! Oh. Pitié! Oh. Oh. Ça sert à rien de se plier. Veuille passer. Avancez. Ne regarde pas. Ven, nous servons à plus haut dessein. Allez, fais voir un peu si tu caches pas des choses. Y'a rien. La mère va regarder forcément ses travaux ici. Non. Non. Je veux pas. Il faut qu'on avance. La maîtresse, par là. N'oblige pas à te faire entendre mal. Je sais rien. Je m'occupe juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. Dis-nous un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si je le savais, je dirais rien. Ta maîtresse est une bonne âme. Non, il reste encore des pièces à couper. Eh bien, eh bien. Où vous allez comme ça? Mes enfants. –
Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui? Oui. Garde, faites attention aux issues. Personne ne sort d'ici vivant. Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. Un autre. C'est qui? Le jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Les fleurs? Oh. Va falloir faire mieux que ça. Emmenez-le. Soutirez-lui tout ce qu'il sait. Non, pitié. On a réussi. Chut. Cachez-vous. J'ai toujours travaillé ici. Reste ici. Et pas un bruit surtout. D'accord? Allez en enfer. Ah ouais. Après toi! C'est bon, Hugo, oui. Je te laisse réfléchir. Maintenant! Et toi? Crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes. Des lâches. Des pourritures. Oh, ça c'est pas gentil. Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Monseigneur, je vais te porter. D'accord. Hein? Attention, descendant. Oh, oui. Une aide tant contre l'Inquisition. C'est alors que notre but est noble. Deux ou trois gueux qui les retardent comme ça. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. C'est quoi ça? Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. Ce bruit. Bien, on y va. Ça recommence. Attends voir. Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Alors, le garçon? Il se cache. Mais le seigneur Nicolas s'en occupe. Il est pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. Bien. D'accord. Merci. On se fout de ma gueule. Reste prudent. On ne sait jamais. Par ici, vous autres! Ce bordel. Viens, on y va. Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Alors, le garçon? Il se cache. Mais le seigneur Nicolas... Encore? Merci. C'est pas normal. J'y vais. C'était quoi ce boucan? Je vais voir. Reviens vivant, on a besoin de toi ici. Alerte, il y a quelqu'un ici. C'était quoi ce bruit? Viens, on y va.
Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Faut que je me calme. Alors, le garçon? Il se cache. J'ai entendu un truc. Je reviens. Brida, bon, faites encore quelque chose. Vous voulez jouer? Garde. Cette fois, c'est la bonne. Je vais revenir en un seul... Trouvez! Les gars, venez! C'était vous. Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Alors, le garçon? Il se cache. Mais le seigneur Nicolas s'en occupe. Il n'est pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. Bien. Au moins, il a eu le paix. Attendez-moi. J'ai entendu un truc. Reste prudent. On ne sait jamais. On peut pas y aller. Mère. Peut-être que si tu lançais un de ces pots. Vous croyez? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord. Rien que le silence. Non, rien. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Allez. Allez, je vous connais, vous, les pauvres. Oh non, 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 non. Tu calmes. Quelque part. Tiens bien ma main. Ça là-bas. C'était quoi? Oh, verrouillé de l'autre côté. Mère, il y a un trou dans le mur. Hey, arrêtez! Oui, Hugo. Oh, verrouillé de l'autre côté. Mère, il y a un trou dans le mur. Oui, Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais... En passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Sois sage et attends-moi là. Je t'attends. Y a quoi derrière? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord? D'accord. Allez, mon grand. Il y a des gens. Prends ma main. Viens, bouge pas et reste sage. Je reviens. Reste ici. Et tu peux venir. J'arrive. Ne fais pas courir plus vite, mon ami. Allez, venez. Hein? Suivez-moi. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ah, ma tête... Maman. Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux... Ma tête... Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. C'est bon, Hugo. Viens là. D'accord. Voilà. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Hé! Bougez pas! Bougez pas, je vous dis!
sait que vous êtes là. J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, toi, va avoir le temps de passer. Allez, ça suffit. Y a rien depuis un moment. Venir maintenant. Attendez voir. Venez, on arrive. Allez, allez, vite. Bravo. Par ici. Bon. C'est la porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je vais m'entraîner au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord, je m'en occupe. Qu'est-ce que... Va-t'en. Bien sûr. Va-t'en, allez. Ici, suivez-moi. Mon chéri, va vite te cacher. Madame, ils arrivent. Tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... et vous alors ? Vous devez venir avec nous. Tu n'as pas besoin de moi, Alicia. Tu es... Si, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Oh non! Ils sont partout! Qu'est-ce qu'on fait?